fois, la moto, ça ressemble aussi à ça. On est poigné sur le bord du chemin. Et là, il y a bonne pluie, mais on est caché. Mais cela aussi passera parce que, en fait, il y a des gros nuages, mais après ça, on voit un beau ciel. Clair. Fait qu'on avait le choix. Soit qu'on s'arrête et qu'on rentre directement dedans, ou soit qu'on attend que ça passe. Et la réalité, c'est qu'on a décidé de rentrer dedans. C'est ce qu'on a décidé de faire. Mais finalement, là, on a décidé d'attendre que ça passe parce que il y a toujours pas de limite. C'est aussi ça la vie, comme ça. De temps en temps, pour rentrer dedans, la tête baissée. Et de temps en temps, il faut tout simplement dire « OK, on va ralentir le beat et on va attendre que la tempête passe. » Tout change, tout passe. C'est aussi ça la vie. Toujours. Et de temps en temps, on attend longtemps parce que là, ça s'empire. Du moins, encore plus que tantôt. Mais à quelque part sur la planète, il mouille pas, mais là, il mouille solide. Et là, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres motos qui sont en train de se faire pogner par la pluie. Mais voyons voir tout à l'heure, il va y avoir un beau coucher de soleil, c'est sûr et certain. Ben, c'est pas fini, on a eu du beau temps. Mais là, on est arrêté en dessous d'un viaduc d'autoroute comme ça. On est à 10-15 minutes de chez nous, mais on prend notre temps. Mais je vous dis, il va y avoir un coucher de soleil tout à l'heure, c'est sûr et certain. C'est vrai. Une heure peut-être qu'on est parti puis on s'est arrêté plusieurs fois. Mais là, on a vu le nuage puis on s'est dit, on est à 5, maximum 10 minutes de la maison. On donne tout! Et on va arriver à la maison dans quelques instants. Il y a
au-dessus de la maison, il y a un beau ciel bleu. Il va arrêter de mouiller quand je vais arriver. Et Nathalie a me suivi en arrière. Là, je rentre chez nous. Fait que là, on est arrivé dans le garage. T'es-tu mouillé? Je trempe la merde. Aussi, checker ça. J'ai tout mouillé. Mais c'est pas grave, c'est le soleil. On s'est fait pogner par la pluie solide. Il n'y a pas un bout qui est sec. Puis on est parti. Puis quand on est parti, on s'est dit, ah, d'après moi, on n'est pas pire. Mais là, on vient d'arriver. Et là, on s'en va dans le spa. Puis dans quelques instants, on va avoir chaud. Là, un petit peu froid. On va avoir chaud. Je voulais partager ces péripéties-là parce que il n'y a rien qui est permanent, gang. Il n'y a rien qui est permanent. Quand je fais des vidéos comme ça, c'est juste pour vous créer dans votre tête des mémoires, de dire, OK, c'est vrai, je vis une résistance, je vis quelque chose qui est inconfortable. Est-ce que je peux comprendre que c'est temporairement inconfortable et cela aussi passera? Donc, Et une heure plus tard, tout finit par passer. Wow.